Salut les petits internautes! C'est un bon projet. Et bienvenue dans ce nouveau vlog au musée du Louvre avec Clémox. Donc voilà, on est arrivé à l'intérieur du Louvre et en premier on va aller au Denon. Quelque chose à dire Clémox? Il est où Clémox de la vidéo en fait? Bon Clémox, dis-nous ce qu'on va faire maintenant. Bah, on va tester toutes les chaises du Louvre, on va savoir quelle est la plus confortable. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec le premier banc. Voilà, on vous montre. Alors Clément, qu'est-ce que t'en penses? Disons que la texture, c'est une bonne texture, mais la largeur est pas assez grande, donc on va mettre un 4 sur 20 ce banc. Voilà. Merci Clément. Donc voilà, deuxième siège. On vous dit ça tout de suite. Donc voilà, on est assis. Donc d'apparence, ça paraissait vraiment incroyable, mais on restait un peu sur notre forme. Disons que le siège est vraiment assez dur, du coup, ce siège ne méritait qu'un 10 sur 20. Voilà. Voilà. Donc voilà, là on est dans la salle des peintures italiennes. Donc des très belles peintures et très grandes. Et aussi un plafond magnifique. La Vierge et l'Enfant, entourés de deux anges, Sainte Rose et Sainte Catherine d'Alexandrie. Le tableau a longtemps été considéré comme un des chefs-d'œuvre de Pérugin. Certains spécialistes proposent aujourd'hui d'y voir la main d'Andrea d'Assisi, connu à Assise entre 1480 et 1520, l'un des collaborateurs de Pérugin aux fresques de la chapelle Sixtine à Rome. Merci Madame Coquille. Donc voilà, on vient de voir un banc, donc on va aller le tester tout de suite pour vous. Donc voilà, on est assis, donc c'est un banc classique. On n'avait déçoit pas. Voilà, mais... on n'avait pas trop d'attente là-dessus, mais ça va. Un 11 sur 20. Un petit 11 sur 20 pour agréable. Un banc. Oui, voilà. Nous arrivons maintenant au tableau le plus connu et convoité du Louvre, la Joconde. Peint par Léonard de Vinci au 15e siècle, elle reste encore aujourd'hui un symbole de la Renaissance. On la surnomme aussi la Quai Léonard. Donc voilà, un petit peu déçu par ce siège, c'est exactement le même que l'autre, mais dans une autre couleur. Quoi. Un voilà. Peu dur, sûrement. Voilà. Ouais, voilà. Sylvain Durif, si tu nous regardes, celle-là, elle est pour toi. Petite dédicace à Claudius Marandoyou, nous avons ici un gars qui s'appelle Claudius Albinus et qui a des coquillettes sur la tête. On a trouvé des petits tabourets, on teste ça tout de suite. Donc voilà, on s'est assis et Clément, c'est le meilleur. On le trouve incroyable. Vraiment, incroyable. 18 sur 20. Oui. On en a vu un autre dans le même style, donc là on teste en direct. Voilà. Oh, il est bien aussi. Hein. Ouais. Il est pas pareil, il y a moins de rebond, mais il est vraiment bien aussi. C'est moelleux quoi. Je mettrais un 18 aussi. Pareil, ouais. Mais c'est une blague! Donc voilà, petit test de siège. Donc celui-là, bon, il est pas mal. Ouais. Il bascule un petit peu. C'est un petit peu gênant. Ça fait perdre des points quand même. Ouais, mais sinon, moi je dirais un petit 12. Ouais, pareil. 12,5, ouais. Oui. C'est pas mal. Donc petite dédicace à Iba, voilà, on t'a trouvé voilà. Ici au musée du Louvre. Iba, on t'aime mec. On t'aime. Ça s'appelle Jacques Chirac. Bonjour Jacques Chirac. Donc Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette chaise? C'est très épicé. Tu ressens tout le continent africain à l'intérieur de cette chaise? 20 sur 20. 20 sur 20, waouh. Ah, il a un crâne, on dirait Monsieur Loulou, sa mère.
deuxième dédicace à Iba. On t'aime Iba. On t'aime Iba. Donc voilà, on a fini le Louvre, donc maintenant on va sortir et aller se balader un peu dans Paris. Voilà. Oui. Oui, donc on est dans un petit magasin de savon. Et Anne-Sophie teste des petits savons. Oui. Donc c'est très joli. Très, très accueillant. Le personnel est très sympathique. Oui. On est actuellement dans une friperie. Depuis tout à l'heure, il y a des bruits bizarres. Le miroir se floute. On sait pas ce qui se passe. Ah, Anne-Sophie, t'as entendu quelque chose, non? Arrête, moi j'ai vraiment peur. Hein. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? Ah, moi je te sens si sensible. On a galéré pendant 50 ans pour trouver d'abord le métro, sauf qu'il n'y avait pas de métro. Donc ensuite on a dû trouver l'arrêt de bus, on arrive à un arrêt de bus. On voit que c'était de l'autre côté, maintenant on y est. Là c'est sur ce périple de transport en commun qu'on se quitte. Donc merci d'avoir regardé ce vlog et n'hésitez pas à commenter pour dire ce qu'on pourrait améliorer ou ce qu'on pourrait faire. Merci. Au revoir. Vas-y, dis au revoir. Au revoir. Anne-Sophie. Salut.